Trois écoles, dont deux publiques et une privée, ont été visitées ce lundi 4 octobre, premier jour de la rentrée scolaire, par l'administrateur maire de Tété, Jean Romial Tchikombou. D'abord, le lycée 30 mars 1970, où Jean Romial Tchikombou a été accueilli par Jean-Luc Oningou, proviseur du dit lycée, avant de visiter les élèves de la terminale C et la première D, lesquels ont reçu les sages conseils du maire. Vous devez vous concentrer. Et vous devrez être ensemble. Quand je dis ensemble, le préfet venait de nous dire qu'il y a trois catégories d'élèves. Il y a des bons, ceux qui aiment l'école, ceux qui aiment comprendre, ceux qui veulent préparer leur avenir. Il y a de ceux qui sont là, des perturbateurs. Ils sont en classe juste pour perturber les autres, que les autres ne puissent pas se concentrer. Et le troisième, c'est des élèves fantômes qui ne viennent jamais en classe, qui font semblant de sillonner le lycée. Après, dès que c'est l'heure, ils rentrent à la maison. Ensuite, la délégation du maire de Tété s'est rendue au complexe scolaire CPT Isaac, en PACA 120, où l'administrateur maire de Tété a encouragé les élèves du CP2 et ceux des classes de 5e et 3e. Une autre école publique visitée, l'école primaire Pambou Benjamin au quartier Mboukou. Ici, le message a été réitéré auprès des élèves de classe de CE2. Enfin, dans l'après-midi, dans la salle de mariage de l'arrondissement 3 Tété, Jean Romial Tchikombou s'est entretenu avec les agents sous tutelle sur la vaccination contre le Covid-19. Le vaccin est en train de sauver des vies. Personne parmi vous sera à mesure chaque lundi, avant de se présenter au travail, qu'il y ait un test PCR. Et quel exemple nous allons montrer à ceux qui viennent, les personnes que nous recevons, tout en sachant que nous-mêmes ne nous sommes pas fait vacciner. Visite des établissements scolaires ce jour de rentrée de classe et réunion sur la vaccination ont été au menu des activités de l'administrateur maire de Tété ce 4 octobre 2021.